Le personnel de santé de la mairie de Libreville est en phase de formation pour le compte de la campagne Octobre Rose. Outre la sensibilisation qui s'est faite ce 16 octobre 2024, l'heure est désormais à la mise en pratique, qui se fera grâce à l'aide de la direction du Programme national de prévention et de contrôle des cancers. Dans ce sens, le personnel de santé de la mairie de Libreville bénéficiera d'une formation dans les techniques de dépistage qui seront donc offertes par l'équipe du ministère de la Santé. Nous mettons à disposition le personnel du ministère de la Santé pour venir faire d'abord une formation théorique et puis une formation pratique qui se fera dans les centres de santé de la mairie de Libreville. Le corps médical de la mairie de Libreville accueille de manière positive cette opportunité. Il y a un dépistage qui se fait chaque année qui est très important, dont j'encourage même toutes les femmes à le faire parce qu'il ne s'agit pas d'aller en consultation lorsqu'on a le pire. Il faut d'abord se faire, il faut chercher toujours à aller se faire dépister. À côté de cet enthousiasme, il faut rappeler que seules les filles ou femmes n'ayant jamais eu de rapport sexuel peuvent bénéficier des vaccins. La vaccination est un moyen de prévention des cancers du col de l'utérus. Cette vaccination aujourd'hui est certes disponible sur le territoire de façon privée. Maintenant, nous sommes en train de faire un plaidoyer au niveau du ministère de la Santé pour que cette vaccination rentre dans le cadre de la prise en charge de nos enfants avant qu'ils ne rentrent dans la sexualité afin de prévenir la maladie. Ce plaidoyer là, vise donc à acquérir des vaccins de façon gratuite sur l'ensemble du territoire. La lutte contre les cancers féminins se poursuit dans le pays, d'autant plus qu'il y a un plus grand engouement actuellement chez les hommes, de plus en plus nombreux, en soutien aux femmes gabonaises.